J'aimerais préciser ici qu'elle a tenu à parler aux communautés, aux forces vives, mais aussi à la presse. Profitons de ce moment, parce qu'elle va certainement faire le point rapide de ce qu'elle a fait ici au Nord Kivu et au Sud Kivu. Ensuite, nous passerons aux questions. J'aimerais préciser que pour cette conférence de presse, Son Excellence Madame la Première Ministre a bien voulu accorder de l'attention aux médias locaux. Et c'est eux qui vont poser des questions. Nous avons déjà identifié quelques médias pour représenter l'ensemble de la communauté au Nord Kivu. Excellence Madame la Première Ministre, vous avez la parole pour d'abord faire le point et ensuite nous allons prendre quelques questions. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme cela a été indiqué et que je l'ai moi-même répété aux différentes personnes que j'ai eu à rencontrer, que ce soit à Bukavu, que ce soit ici à Goma, que pour moi, il était important pour ma première itinérance, ma première mission, de le faire non seulement à l'intérieur de la République démocratique du Congo, mais de venir à l'Est. On a échangé avec le chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, à ce sujet. Et on s'est accordé, et donc moi, j'ai décidé, de sur base de nos échanges, de commencer ici à l'Est. J'ai eu l'opportunité de commencer d'abord par Bukavu, non seulement parce que c'est vrai qu'il y avait cette cérémonie officielle du désengagement de la MONUSCO dans le Sud Kivu. On a pu, au cours des différents discours, souligner les avantages qu'il y a eu à voir la MONUSCO. Toute collaboration a ses écueils, c'est vrai, mais on ne peut pas oublier que la MONUSCO nous a quand même aidé à stabiliser certaines zones dans le Sud Kivu et qu'elle a été aussi importante tant pour la protection de civils, mais aussi dans certains projets pour les communautés. Au-delà de la MONUSCO, j'avais déjà prévu de rencontrer, d'aller sur au moins un site de sinistrés. Comme vous le savez, on fait face à un certain nombre d'incendies à Bukavu et qu'il était important pour moi de rencontrer les personnes sinistrées parce que ça permettait non seulement de pouvoir échanger avec eux, de leur indiquer que le gouvernement ne les a pas oubliés, mais aussi de comprendre la situation à laquelle ces personnes étaient confrontées. On a pu constater qu'effectivement, il y a un problème d'aménagement du territoire, d'urbanisation. On en a discuté avec le gouverneur Porosi pour voir comment, ensemble, on pouvait trouver les voies et moyens pour, soit en attendant, délocaliser et ensuite voir comment construire sur ce site des logements adéquats pour ces populations. Donc ça, c'est dans les projections qu'on va faire en discussion avec le gouverneur de la province du Sud Kivu. Mais en même temps, par exemple, je me suis rendu compte, en discutant particulièrement avec les mamans sinistrées, que en fait, elles faisaient face à un phénomène qui n'était pas normal. Dès qu'il y a un incendie, on ne sait pas toujours quelle est la cause de l'incendie. Est-ce que c'est un incendie qui est provoqué par des individus, un simple accident ? Et que les gens qui sont sur ces sites-là mettent les affaires à l'extérieur pour pouvoir les protéger du feu, et bien il y a un phénomène où certaines personnes viennent pour voler. Donc rendez-vous compte des gens qui n'ont déjà rien, qui doivent déjà en plus faire face à ce genre de phénomène, c'est assez difficile. Donc on en a aussi discuté, notamment au niveau du comité provincial de sécurité. On a parlé de la situation sécuritaire dans le site Kivu. On a parlé de ce phénomène-là de banditisme au niveau des grandes villes, que ce soit à Bukavu ou à Uvira, mais aussi on a parlé
de la situation au niveau de la frontière entre le Nord et le site Kivu, notamment, pour assurer que, au niveau de la sécurité, les FARDC faisaient le nécessaire pour éviter que le M23 traverse et parte dans le sud Kivu. Donc ça, ce sont des discussions qu'on a eu à faire et voir aussi quels sont les voies et moyens pour renforcer les FARDC. Dans Bukavu, par exemple, ils sont obligés de passer dans les pays voisins qui, eux, finalement, transforment les produits qui reviennent chez nous comme si c'était des produits qui étaient... comme si c'était des produits qui étaient cultivés chez nos voisins, alors qu'ils sont cultivés chez nous. On comprend parfaitement qu'il y a des choses à faire en termes d'amélioration d'accès au niveau des routes, bien sûr, mais aussi il y a un certain nombre de choses à faire au niveau de l'amélioration du climat des affaires pour permettre aux différents entrepreneurs de pouvoir faire leur travail habituel, mais dans le calme et dans les bonnes conditions, ce qui permettrait de reconstituer tout ce réseau économique qui existait aussi déjà à l'époque et peut-être le renforcer. Alors, j'ai eu aussi à aller voir l'Institut ITA, parce que comme vous le savez, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole qui est porté par le chef de l'État, il était important d'aller voir la collaboration, le partenariat qu'on a avec cette agence et voir un peu quel est le travail qu'effectivement il faisait. On a pu se rendre compte que dans la situation actuelle avec le changement climatique et les différentes maladies qu'on peut observer au niveau des cultures, qu'on a aujourd'hui un institut qui travaille ici au Congo, qui a été financé par le gouvernement pour permettre justement de travailler sur un certain nombre de souches, que ce soit au niveau du maïs, du manioc ou autre, pour pouvoir avoir des meilleures qualités et pouvoir les donner aussi à des agriproducteurs qui, eux, vont pouvoir reproduire. Et comme ça, on peut se retrouver avec des nouvelles cultures qui ont un bon potentiel et ça permettra aussi de monter en puissance au niveau de l'agriculture. Mais en même temps, au niveau de cette institution, on travaille aussi sur l'appui aux jeunes. Au niveau de l'agro-industrie, les agropreneurs, ils sont en train de développer des mécanismes de formation pour renforcer les capacités des jeunes à travailler dans l'agro-industrie, l'agro-transformation. Et donc ça, on peut voir que j'ai rencontré certains jeunes qui ont déjà commencé à avoir un certain nombre de produits transformés. Et donc, c'est toute une dynamique en termes d'entrepreneuriat qui est en train de se mettre en place dans le sud Kivu. Alors, évidemment, j'ai eu aussi des échanges avec la population puisque j'ai eu à faire un discours au niveau de la place de l'indépendance. On sait très bien que la population est confrontée à la problématique au niveau du pouvoir d'achat avec le taux de change. Il faut une stabilité du cadre macroéconomique et une stabilité du taux de change. On sait qu'il y a le problème des routes, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des travaux qui ont commencé à ce niveau-là. J'ai même discuté avec le gouverneur pour voir avec lui comment certaines autres artères pourraient être prises en charge pour faciliter la vie des gens de Bukavu particulièrement, mais aussi dans d'autres zones, dans d'autres territoires du sud Kivu. Alors, après cette étape de Bukavu, il était important pour moi d'arriver jusqu'ici à Goma. Il n'y a pas que Goma qui subit les affres de la guerre ou des conflits, parce que il y a aussi tout le Grand Nord, mais pour l'instant, je me suis arrêtée à Goma parce qu'il me faut absolument rentrer. Demain, j'ai un conseil de ministre et on va devoir aussi rendre compte de ce qu'on a déjà fait et pour prendre un certain nombre de décisions idoines. Mais pour moi, c'était une manière aussi de montrer à cette population meurtrie qu'on a visitée, notamment dans un des camps, un des sites, qu'on ne les oublie pas. Ce n'est pas juste une visite, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. J'étais en l'air parce que je pense qu'il est toujours important d'exprimer une compassion aux personnes qui sont en face de nous, mais il faut le faire aussi dans le respect, parce que ces gens ont droit
à avoir un certain niveau de sécurité, et même dans les sites, ils ont droit à avoir un certain standard en termes de capacité d'accueil et de qualité. On a vu que ce n'était pas nécessairement le cas, parce que dans ces sites, il y a beaucoup plus de personnes que ceux qui pouvaient être admissibles, mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on a, d'après ce que les informations que j'ai reçues de monsieur le gouverneur, le général Chirimwami, on a 5 sites officiels, mais on a pratiquement 126 sites, c'est ça, de déplacés ici à Goma. Et donc, c'est sûr que ça met une pression sur la population, mais il faut se rendre aussi compte que cette population de sinistrés, tout ce qu'elle demande, cette population de déplacés, c'est de rentrer chez elle. Et pour ça, il faut absolument que tout le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui avec, au niveau de l'armée, cette montée en puissance de l'armée, on doit continuer, on ne doit pas arrêter. Les discussions que nous avons eues au niveau du comité provincial de sécurité nous ont permis aussi de clarifier certaines informations que nous avions déjà. Et donc nous, au retour, on va continuer aussi le travail qui est en train d'être fait et assurer que tous les moyens que nous sommes en train de mettre en place soient vraiment mis à disposition pour cette montée en puissance de l'armée. De la même manière, il était important que je puisse rencontrer les blessés militaires, parce que c'est ce que j'ai fait en allant à l'hôpital militaire. C'est vrai que j'ai vu aussi des mamans, puisque l'hôpital militaire accueille aussi la population qui est tout autour. Mais c'était important de montrer à nos vaillants soldats qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a un gouvernement qui pense à eux, et que aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures pour prendre en charge notamment les militaires, pas nécessairement seulement aujourd'hui les blessés qui reviennent du front, mais toute cette frange de la population qui rend des services énormes à la population. L'autre chose peut-être que d'aucuns se posent, c'est de savoir ce site Genocost, est-ce que c'est le seul site qu'on va avoir? Parce que comme on dit, au niveau du Nord Kivu, il n'y a pas que ceux qui ont été meurtris, tués à cause des M23, mais aussi tout ce qui se passe dans le Grand Nord, notamment avec les ADF. Et je pense qu'on pourra discuter de la manière dont on pourra aussi mettre en place des sites pour se commémorer tout ce qui a été fait. Et ça permet de ne pas oublier, mais ça permet aussi d'être conscient de ce qui se passe et de trouver les voies de solutions possibles pour que arrêter cela, parce que ce n'est pas normal que nous perdons autant de personnes. On arrive même à avoir 10 à 30 personnes qui meurent dans le Nord, mais il faudra que cela cesse. Et pour que cela cesse, c'est vrai, il y a l'armée qui doit travailler, mais on se rend compte que ça devient aussi, au niveau des communautés, une prise de conscience et une sensibilisation pour que chacun puisse parler à sa communauté, parce que ce ne sont pas des choses qui sont acceptables. Je crois que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je suis à vous. Merci. Pour les jeter à la poubelle, vous vous rendez bien compte. Mais c'est plutôt pour recueillir les informations qui sont dedans et, comme je l'ai dit, mieux orienter nos interventions. Faire la même chose qu'avant, je crois qu'on on tire toujours les leçons de ce qui s'est passé avant nous. Et ça, c'est important, parce que si on ne sait pas tirer les leçons de ce qui s'est passé avant nous, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à la problématique. Mais c'est plutôt de voir comment mieux orienter nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement avec les 6 piliers et bien prendre en compte les différentes problématiques qui ont été soulevées à travers ces différents mémos. Alors, s'agissant de toutes ces personnes que nous avons perdues dans le nord du pays dans le cadre de ces conflits, aujourd'hui, nous avons une structure qui a été mise en place, le Fonaref,
Et comme je l'ai dit, la réflexion, et c'est d'ailleurs en projet, c'est de pouvoir avoir un autre cimetière génocoste au niveau de Béni pour aussi prendre en compte ces personnes, ces victimes qui ont succombé dans ces différents conflits. Parce qu'il est important de pouvoir symboliser cela et qu'on puisse se rappeler ce que ça nous a coûté, ce type de conflit. Merci. Michapi, quelqu'un peut avancer, s'il vous plaît? Voilà. Excellence, Madame la Première Ministre, bonsoir. Je suis Marie-Noëlle Kabouya-Kalambay de Michapi Voice TV. Excellence, Madame la Première Ministre, après près de 30 ans d'agression rwandaise, les prédateurs qui occupent 3 sur 6 territoires du Nord Kivu est en train de lorgner le Sud Kivu, alors qu'ils s'approchent aussi de l'Ituri. Alors, Madame, quelles sont les mesures qui sont prises par votre gouvernement pour stopper cette hémorragie qui est en train d'aller se répandre vers toute la partie est de la RDC? Madame, chère maman Judith, maman, les gouverneurs des provinces se démènent malgré les tout petits moyens et essaient de développer leurs provinces. Quid de la rétrocession? Merci. Merci, madame, pour vos questions. Comme je l'ai dit dans mes propos quand j'ai fait un récapitulatif de mon séjour, on essaye de contrer le M23 en évitant qu'il traverse la frontière. Donc là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait au niveau des FARDC. Maintenant, c'est vrai qu'on a 3 territoires ici au Nord Kivu qui sont partiellement occupés. Et je pense que celui où il y a une plus grande proportion, c'est Rutshuru, je pense, si je ne me trompe pas. Le travail qui est en train d'être fait, c'est comme je l'ai dit, la montée en puissance des FARDC. Il y a vraiment un appui qui a été mis à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans les détails parce que aussi il y a toute cette question de sensibilité par rapport au secret militaire. Mais je peux vous garantir que la situation des FARDC aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a peut-être un an ou deux. Et donc, on a mis les moyens pour que les FARDC puissent aussi répondre, c'est vrai, contenir, mais aussi, ils sont en train de voir comment faire les choses mieux, je le dirais comme ça. Et puis, n'oublions pas nos forces de défense, qui, eux, ont été... C'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que j'en ai discuté, j'ai un peu parlé avec eux hier, mais aussi discuté avec le gouverneur militaire. Le fait que le gouverneur militaire s'est impliqué non seulement dans une sensibilisation pour le respect des droits de l'homme, etc., avec ces jeunes est une chose importante parce que ça leur permet aussi de se sentir non seulement valorisés et quand ils vont au front, de pouvoir aussi... se battre pour notre patrie. Et donc, je pense qu'il y a tout ce soutien qui est à leur niveau. Il va falloir continuer à les soutenir, continuer à les encadrer, éviter que de notre côté, dans ces jeunes Ouazalendo, on retrouve des enfants. Et ça, je pense que de notre côté, on s'en est assuré. De notre côté, ce problème ne se pose pas. Par rapport à ce qui se passe aux autres, ça c'est encore une autre paire de manches, mais chez nous, au moins on s'assure qu'on n'est pas d'enfants qui sont envoyés, qui sont enrôlés pour être envoyés au front. Et donc ce travail va devoir continuer, on n'a pas le choix et on ne peut pas abandonner, au contraire, on va continuer à le faire. Maintenant, par rapport à la question de la rétrocession, on en a discuté dans les discussions qu'on a eues, que ce soit avec le gouverneur militaire, que ce soit avec l'Assemblée provinciale.
et avec mon collègue, le ministre d'État en charge du budget. Dès qu'on rentre à Kin, on va un peu faire le point par rapport à la situation et voir comment rapidement, au moins déjà dans les provinces, tout le monde a des problèmes, c'est vrai. On ne dit pas que les autres ne sont pas confrontés à des problèmes, mais essayer de voir comment rapidement on peut déjà aider le gouverneur militaire du Nord Kivu au niveau de cette question de rétrocession. Mais je voudrais quand même féliciter le gouverneur militaire parce que ce qu'on a vu qu'il a pu commencer à faire en quelques mois depuis qu'il est là, je lui tire vraiment... Je lui dis chapeau bas, parce qu'il est en train de faire un travail formidable. Et je pense que la population de Goma doit le lui reconnaître. Merci. Voilà, la première ministre a dit qu'elle devait rentrer. Demain, elle a conseil de ministre. Excellence, si vous permettez, nous prenons une toute dernière question de Radio Okapi qui est très suivie dans ce coin de la République. Il y a quelqu'un de Radio Okapi parmi nous ? On termine avec Radio Okapi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame, de nous accorder la parole. Je suis Denise Lukesso, je suis de la Radio Okapi. Je vais droit au but. Hier, dans votre adresse à la population, aux communautés du Nord Kivu, vous avez dit que le gouvernement est en train de faire de tous ses moyens pour amener la paix au Nord Kivu. Toutes les voies sont possibles pour que cela arrive. Vous n'avez pas exclu non plus la voie diplomatique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la RDC est prête à négocier avec le Rwanda, les pays agresseurs, au regard de la situation telle qu'elle évolue sur le terrain? Merci. Je pense que le chef de l'État a été clair. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent. Maintenant, la voie diplomatique et la voie, on a les accords notamment de Luanda, pour voir comment les pays qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ce processus de paix, peuvent contraindre ceux qui nous agressent à arrêter. Vous savez, quand on regarde l'effort de guerre, les ressources qu'on met pour combattre ceux qui nous agressent, le Rwanda avec leur supplétif M23, si cet argent était mis pour le développement du pays, je pense qu'on serait déjà loin. Mais malheureusement, nous sommes obligés de mettre toutes ces ressources au niveau de l'armée. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la montée en puissance de notre armée. Et donc pour nous, si par des voies diplomatiques, on peut contraindre l'agresseur d'arrêter, ça serait une bonne chose, ça nous permettrait de faire des économies sur ce plan-là. Bien sûr, il y a tout le travail qui doit être continué pour que l'armée reste une armée en puissance pour protéger l'État congolais et protéger nos frontières, mais ça nous permettrait de mettre nos ressources à disposition du développement. Beaucoup plus de ressources à disposition du développement et des investissements, parce que pour développer notre pays, nous devons investir. Et nous devons aussi travailler avec le secteur privé, mais c'est important. Et si on n'arrive pas à arriver au niveau qu'on fait, c'est parce qu'aussi on est obligé de mettre une grande part de nos ressources au niveau de la défense de notre pays. Donc ça, l'aspect diplomatique n'exclut pas, ne veut pas dire que nous allons négocier avec nos agresseurs. Pas du tout. Alors peut-être, je sais qu'il y en a d'autres qui voudraient poser des questions, mais d'autres éléments que j'aimerais bien peut-être compléter, c'est aussi le fait que les questions qui m'ont été posées par rapport au cimetière du Génocoste, là ont été enterrées les victimes des récents bombardements du camp des déplacés de Mungunga. C'est là où ils ont été enterrés. Maintenant, comme je l'ai dit, pour ceux du Grand Nord, le projet est de pouvoir avoir un génocoste à Beni, peut-être aussi à Kanyamayonga, c'est ça, hein? Là aussi, en se rappelant tout ce qui a eu lieu de ce côté-là, aussi avoir ce genre de site, parce que comme je l'ai dit, c'est important de se remémorer tout ça pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé
et ce que ça nous a pris. Parce que vous savez, quand moi, dans ces visites que j'ai déjà eu à faire dans le passé et que j'ai encore fait aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous allons avoir des problèmes en termes de santé mentale qu'on va devoir gérer. Parce que ces femmes, ces enfants, ces hommes, même au niveau des militaires, qui sont confrontés à autant d'horreurs, à autant d'atrocités, si on n'arrive pas à les suivre, ça va être très difficile aussi pour eux dans les années à venir. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. De la même manière, j'étais en colère quand j'étais sur le site parce que de voir toute cette population là, entassée, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas acceptable qu'on ait à subir ça parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de venir chez nous pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais en même temps, on peut voir la résilience, particulièrement des femmes, parce que quand vous longez le camp, vous voyez des petites échoppes, des mamans qui vendent des pagnes, des mamans qui vendent des légumes. Et malgré toute cette souffrance, elles se lèvent, parce qu'elles continuent à se battre pour la survie de leur famille. Et ça, sincèrement, il faut les féliciter, on ne peut pas les abandonner. Voilà, merci beaucoup. Merci, Excellence Madame la Première Ministre, pour cet échange avec la presse. Encore une fois, toutes nos excuses, parce que la Première Ministre voudrait bien répondre à toutes les questions de la presse, mais pour question de temps, elle ne saura pas être là. La prochaine fois, nous aurons un peu plus de temps. Ça sera sûrement la prochaine fois que je reviendrai, mais j'espère que quand je reviendrai, ça sera autre chose que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci. Si nous pouvons créer un couloir de passage. Merci. Merci. Et continuez à faire votre travail en tant que...